Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, l'émission qui vous parle de l'actualité musicale dans notre département avec les sorties d'albums, les spectacles, bref, les animations que proposent nos artistes locaux et on vous donne la possibilité à travers cette émission de les rencontrer. Ce soir, je vous propose de retrouver un groupe qui a beaucoup de projets pour cette année, qui en a eu déjà beaucoup avant et qui est sur la route depuis très longtemps, que le public aime, adore, suit régulièrement. Et pour cette année 2013, ils viennent avec trois projets en un. C'est mieux qu'à la publicité, en tous les cas, c'est ce qu'ils nous proposent ce soir. Et on va en parler dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Et je vous demande sans plus tarder d'accueillir Bernard Joron du groupe Oussa Noussa Ba. Il ne viendra pas tout seul puisque Alfred Vienne sera également avec lui dans cette émission. Couleur Pays avec Eric. Trois projets en un, c'est ce que je vous disais. Alors un projet autour des enfants qui chantent des chansons de Oussa Noussa Ba, autour du violoniste, pardon, de l'accordéoniste décidément, qui pour sa part réalise un projet album, et le groupe Oussa Noussa Ba qui lui également prépare un nouvel album. Et nous recevons Bernard Joron ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Comment il est ? Ça va très bien, merci. Alors, on va présenter ça un petit peu de façon académique, mais il est vrai que Oussa Noussa Ba, c'est beaucoup d'années déjà, 30 ans de route avec des hauts, des bas, la famille Joron qui existait également avant, enfin dans la musique, puisque papa est également musicien, premier directeur de conservatoire national de région, ça il faut le rappeler également. Donc c'est une longue histoire autour de la musique, et en 2013, il y a encore des projets, encore l'activité, encore de l'énergie pour proposer des choses au public, et c'est de ça dont on va parler ce soir. Alors, ces trois projets, on va commencer par le premier, qui est un livre réalisé autour d'un projet scolaire, et je sais que vous aimez bien transmettre. Ben, on essaye, mais ce premier travail-là, c'est déjà un aboutissement en lui-même. Il n'est pas apparu comme ça soudainement. On a commencé à travailler avec un public de petits marmailles d'école primaire dans le sud de l'île. Les petits gars étaient au moins 600, il y a 2 ans de ça. Ferré Patazot de manière régulière sur les chansons du répertoire de Sanou Sava ou de celui de Gramoun Jules, répertoire Sega ou répertoire Maloya, les deux mêlés, tu vois, Ferré Patazot de manière régulière, faire plein de spectacles ensuite en fin d'année, théâtre du Tampon, théâtre Les Temps Salés, dans une salle aux Avirons, dans la salle à Saint-Philippe, etc., tu vois. Et tout ce travail-là, les ponctuer là, un an et demi après, quoi. Avec les enfants, nous rentrons en studio, nous enregistrons un petit disque, une version playback aussi, pour que ça ait envie de chanter, chante aussi dessus. Et nous insérons ça dans un livre illustré par Monsieur Fabrice Urbatro, un petit gars ici qui fait de la belle pointure avec la gouache, on dirait. Hein. Mais il fait que le livre est très, très, très réussi, les marmailles chantent très bien dessus. Donc l'aboutissement de ça, de ce travail pendant 2 ans, tu vois, un livre où ça nous ça va, marmaille. Mais en même temps que nous t'amènes ce bateau-là, ne pas laisser les choses dormir, ouais, nous t'es aussi en train de préparer un album de création, une nouvelle, quoi, de où ça nous ça va. Il nous dit, bon, ben nous va sortir celui-là aussi en même temps, quoi, et faire nous 2 bateaux pour amener, pas trop trop difficile, surtout que le projet marmaille, il est quasiment fini, tu vois. Mais après, nous imaginons, nous disons non. Avec nous, on a l'accordéoniste Alfred Vienne, qui la compose entre autres à cause du film, qui a composé aussi des chansons, lui a donné à plein d'autres musiciens de l'île. On dit, mais par contre, il n'a jamais fait d'album en son nom, tu vois. Et Oussa Noussa Ba l'a déjà fait un hommage aux différents succès de Jules Joron. On a fait un hommage aux artistes disparus de la chanson française. Ça va attendre ton Alfred vienne, nous tontons, il disparaît avant nous, on a eu un hommage. Voilà. Donc, avec son accord, il nous fait d'une pierre 3 coups. Et c'est au Théâtre du Tampon. Et ça sera au Théâtre du Tampon que nous va présenter au public en avant-première quelques chansons qui composent ce 2e et ce 3e opus. Mmh. Très bien. Alors, revenons d'abord sur le projet Oussa Noussa Ba Marmaille. Parce que, on l'a bien dit, c'était un projet assez lourd quand même. 600 marmailles, il y a des moments qui étaient à gérer. Déjà, je pense que certains enseignants nous écoutent. Déjà avec 32 dans une classe. D'ailleurs, je ne sais même pas si on en prend 32 dans une classe aujourd'hui. Parce que c'était plutôt à dégraisser, mais à mettre des classes plus légères.
c'est déjà compliqué une journée, mais alors sur un projet, même si c'est musical ou quand même il y a beaucoup de plaisir, ça doit être très difficile à gérer. Vous étiez juste le groupe Oussa Noussava pour encadrer tous ces marailles-là ? Il y avait 4 musiciens du groupe Oussa Noussava délégués dans les écoles. Chacun d'entre nous, on s'occupait d'une chorale d'environ 40 marmailles par école. Moi, j'avais 4 écoles. Le guitariste, il en avait 4 ou 5. Le bassiste, il s'occupait de 4 ou 5 écoles avec à chaque fois 40 marmailles par école. Donc, ça fait 160 ou 200 marmailles par musicien pour s'occuper. Et il y avait aussi les instituteurs de chaque école, qui en a quand même un petit bagage musical et qui peut prendre le relais quand les musiciens n'est pas là, pendant la semaine ou pendant les mois. Bon, ils faisaient des stages pendant les vacances, ils ont pris le truc vachement au sérieux, tu vois. Et puis, il y a aussi la conseillère pédagogique en éducation musicale de l'île de la Réunion, madame Dominique Perrin, qui s'est beaucoup engagée aussi dans le processus. Ce qui fait que le maramaï était efficace. Alors voilà, c'est ça au final, parce que là on est en plein dans la transmission, c'est-à-dire que pour les jeunes maramaï qui ont tous entendu grand-mère, ce genre de choses, parce que ça appartient aujourd'hui à la mémoire collective, d'aller un peu plus loin dans les périodes où ça va, ça a dû être pris comme une vraie joie, une vraie fierté aussi. Ah oui, en plus un vrai travail, parce qu'on a des moments, la chanson s'adapte toute seule, pof, on la prend, on la chante dans l'état, mais on a d'autres moments où il faut changer la tonalité, parce qu'il y a d'adapter avec les enfants, il faut donc baisser la tonalité pour que les autres puissent chanter toute la chanson, alors que quand le disque tourne, on a des passages, si ils ne gagnent pas chanter, les trop hauts ou les trop bas, là, ils chantent toute la chanson. Voire même, nous inventons des passages exprès pour les autres, des arrangements vocaux, des deuxièmes voix, des canons, des affaires comme ça, tu vois. Donc, c'est pas non plus du copier-coller, quoi. Ça a été vraiment un projet, une création à partir de choses qui existent déjà et. Transforme les autres en musicien, ouais. Mais par le fait, comme dirait l'autre, Oussa Noussava a toujours été un peu comme ça. Un petit peu, je parlais beaucoup de transmission tout à l'heure, mais de redonner et de faire en sorte que le patrimoine soit perpétué dans le Séga, parce que vous êtes beaucoup dans le Séga, mais également dans le Séga Maloya, également dans le Maloya, mais là, plus particulièrement, je crois que dans le groupe, il y a également des gens qui sont professeurs de musique, donc il y a toujours cette idée de pouvoir transmettre la culture et aux plus jeunes. Et je pense que c'était peut-être la finalité de ce projet. Ben, au départ, oui. Quand l'éducation nationale propose à nous de rentrer dans un tel projet, au départ, c'est cette histoire de transmission auprès du jeune public, même que les sous-jacents. Ils ne pensent pas à ça automatiquement quand nous faisons nos affaires, mais nous-mêmes nous reconnaissons déjà que le tout petit peu de musique que nous possède, c'est parce que les anciens la transmettent à nous. Donc nous-mêmes, quand on a l'occasion de transmettre à un plus petit qui n'a l'air intéressé, ou qu'on dirait l'intérêt il pourrait flamber, il ne faut pas hésiter, quoi. Il faut le faire. Il faut foncer. Alors en plus, je le montre à l'écran, il y a ce merveilleux livre qui est sorti. Je le dis merveilleux parce qu'il est vraiment bien fait. Je crois que c'est de cette édition, et que c'est le deuxième qu'ils ont fait. Il y en avait un autre dont le nom m'échappe totalement. Mais cette équipe réalise là un bel ouvrage, hein, Oussa Noussava Marmaï. C'est un beau livre, c'est un bel objet que les gens ont dans la main. Il y a un petit CD avec. Il y a également une belle illustration avec un illustrateur qui est très performant. Et on retrouve Pique-nique chez ma volcan, Tous les enfants, Réunion, qui est une chanson. Une traduction à chacune des chansons que je me suis permis de faire personnellement. Ouais, en français, pour qu'il y ait la double expression française et créole dans ce livre. Titre à longtemps, titre Magali, enfin bref, des chansons qui sont du répertoire d'Oussa Noussava, que les gens pourront apprécier au théâtre Luc Donat avec une partie de la chorale, pas la totalité, et à l'occasion de la sortie de ce livre, livre-disque, qui est disponible chez tous les bons revendeurs, alors en librairie, mais également dans les grandes surfaces qui sont un peu spécialisées, qui ont une spécialité également livre. Voilà, on va marquer une pause musicale, se retrouver avec Bernard Jouron. En dernière partie d'émission, nous retrouvons également Alfred Vienne, l'accordoniste, qui va lui aussi présenter un projet musical. Dans l'immédiat, musique. We'll be right back.
saucisse, carri, volaille, nous ça pique-nique sur un volcan. Maman, il vous a calbasse, si ça t'y fait trouver un bon place, allons, il faut pas perdre le temps. Là-haut dans la forêt, où ça tout est frais, il fait bon aller respirer le dimanche quand on en a beau temps. Le souquet ta marraine, Aruba saisi, épinard et sauf le carré, maman est basée en attendant. Bernard Geron, invité de notre émission de musique locale Couleur Pays, mais on retrouvera également Alfred Vienne, qui est l'accordéoniste du groupe, mais également un compositeur. Il a composé beaucoup de chansons, dont À cause Fifi, on le retrouvera dans la troisième partie de Couleur Pays dans les médias. Le projet Où ça nous ça va être également présenté, un petit peu dévoilé, chose qui est déjà faite depuis quelques temps sur les scènes. Il y a un morceau ou deux qui tournent déjà un petit peu. Et donc ça annonce en fait la sortie d'une nouvelle création. Oui, ça nous arrive de temps en temps sur scène, on en fait une, notamment il y en a une qui s'appelle Voter, Voter, où on se moque un petit peu des représentants de la classe politique qui sont pas très très clairs. Mais tu veux dire ceux qui ne sont pas très très clairs? Oui, pas tous. Pas tous, ouais. Le morceau se moque un peu de cela, donc de temps en temps on joue ce morceau-là sur scène pour voir comment il se glisserait dans le répertoire Ça ne ça va, ouais. Et là, pareil, au Théâtre du Tampon, on va en profiter, au lieu d'en faire une, on en fera peut-être deux, trois, quatre, pareil, quoi, c'est des chansons qu'on est en train de préparer pour le prochain album. Peut-être pas forcément dans la version finale, quoi, hein. À mon avis, il y aura encore d'autres arrangements qui seront proposés par les musiciens après. Mais de temps en temps, il faut faire écouter au public pour voir. Dévoiler un petit peu. Mais le public, il te dit aussi, ouais, s'il n'aime pas, il va dire, oh, il n'aime pas. Oui. Ouais. Il découvre, mais s'il est intéressé, il rentre dedans très rapidement. Et comme tu n'as pas fini de le monter, c'est peut-être le moment de le démonter. Et bien sûr. Et en plus, c'est vrai que, bon, du coup, ceux qui viennent au spectacle, parce que le groupe, ça nous savait, c'est d'abord un groupe de musique, qu'on a l'habitude de monter sur scène pour jouer sa musique, c'est la base même de la musique, parce qu'aujourd'hui elle peut être électronique, dématérialisée ou autre. Et c'est vrai que ceux qui viennent au spectacle, soit dans les fêtes populaires ou là au Théâtre du Tampon où c'est un rendez-vous, il est un petit peu en avance par rapport aux autres. Ah ben oui, peut-être même il peut lui montrer des certaines phases de notre construction de la musique, juste à quel endroit on est dans cette chanson-là et à quel endroit on est dans l'autre chanson, tu vois, ils verront que c'est pas on n'est pas dans le même stade. Exact, parce que souvent aujourd'hui, les jeunes, par contre, ils font une chanson, ils la mettent directement sur YouTube, et puis ça arrive 3 mois ou 4 mois ou 6 mois après sur un disque. Ah, moi, j'ai des textes qui traînent des années avant de trouver une chaussure à leurs pieds. Ouais. Ouais. Ça, c'est encore un autre domaine de l'aspect musical, c'est la création. Ça peut durer, il y a des gestations, des périodes qui sont longues. Mais il y a des moments où on se disait, il faudrait qu'on prenne vraiment notre temps, tu vois, pour faire ce prochain album, parce qu'on était toujours pris justement dans des histoires de contributions à des trucs humanitaires qui nous tiennent à cœur aussi. On était parrain du Téléthon l'année dernière, tu vois, ou rentrer dans des combinaisons avec des publics scolaires comme là ce projet avec les Marmailles, mais qui nous engage sur une année, 2 années, un mois plein, 2 mois plein, 3 mois plein, donc c'est maxi prenant. Et du coup, prendre le temps de s'asseoir entre musiciens et confronter nos idées pour voir à quel endroit on n'est pas d'accord, on n'a pas trop le temps, tu vois. Bah, si m'y compte bien, depuis 2008, c'est la dernière création avec tous les enfants. Il y a un titre additif qui s'est greffé sur ce répertoire qui était même sous les lois. Depuis 2008, il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de sorties. On peut rappeler en gros ce que vous avez fait. Il y a eu des tournées en métropole, il y a eu des choses à l'extérieur de l'océan Indien. Il y a eu le fameux spectacle Où ça nous ça va avec la chanson française. Le projet Marmaille. Donc ça a bien occupé le temps. Il y a entre 2008 et 2013, c'est 5 ans déjà. Oui, on a fait un album live enregistré à Montpellier en 2010. Ouais. Ben, comme ça nous grattait un peu, on a profité pour glisser une chanson nouvelle dedans. Tu vois, qui s'appelle Canicula Terre.
Mais bon, il n'y en a qu'une quoi, qui est nouvelle, parce que comme c'est un concert, un enregistrement d'un concert live, c'est surtout des chansons connues qui sont dans cet album-là. Quoi. Et là, il était temps de sortir un coup les chansons qui dorment. Là, il y en a 8 ou 10, on va voir si on les met toutes sur l'album. Parce que de Mounier, mais il imagine pas très bien tout ce que vous faites, hein, tout ce que le groupe fait. Parce qu'en fait, il a l'impression que ça va, c'est là. Alors, il s'est arrêté peut-être à Grand-Mère, où il y a très très longtemps un cabaret et puis voilà. Les boucles comme ça vraiment, mais après quand vous dites autres, oui mais il y a aussi Pique-nique chemin vol quand, ah oui c'est vrai, oui mais il y a aussi dans des millions d'années quand nous mort les... ah oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, donc on rappelle à autres certaines bornes ouais. Pendant le trajet ouais, et les gars ils rendent aux autres compte effectivement qu'il y a un petit peu de chemin ouais. Il y a un peu de chemin et ouais. En plus c'est toujours des projets qui viennent en intermédiaire sur les créations, c'est des projets qui sont pas minces. Ça nous sera normal, ou même la chanson française, c'était un pari risqué quand même. Ouais, ouais, ouais. Et avant celui-là, il y avait l'hommage à Jules Joron avec l'intervention des Jeannettes, disparu Didier Jeannette, etc. Ça, c'était un gros projet aussi. Exact, avec les musiciens classiques, en bande chorale, etc. Ouais, c'était un. Ouais. Vous faites pas des choses, des petites choses, c'est des rencontres. On aime bien aussi, être pris dans des trucs qui nous prennent la tête à un bon moment, ouais. Mais là, il faut s'arrêter un coup. Et penser au groupe et une nouvelle création. Alors, deux petits mots sur cet album qui est à venir, qui sortira normalement en fin d'année, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a un fil conducteur? On a parlé de la chanson qui parle des politiques. Est-ce qu'il y a quelque chose, un fil rouge sur cet album ou c'est des impressions, des sensations, des choses qui viennent. Non, moi je trouve que les textes, il y en a qui sont forts. Enfin, je suis mal placé pour en parler parce que je vais pas dire que j'aime pas, sinon je les ferai pas. Mais je trouve qu'il y a des textes qui sont forts, les messages assez poignants. Et à mon avis, il y en a un dedans qui va tilter direct, à mon avis. On en parlait avec Alfred Vienne dans la voiture en venant là. Il y en a un qui va. Dont le thème est Le métissage. Le métissage. Oh ben là, on est dans une île de métissage, donc forcément ça va parler aux gens à la réunion. Oui. C'est le métissage qui est une force et aussi une belle vision pour l'avenir, qui est compliqué aujourd'hui parce que on s'aperçoit qu'il y a aussi des. J'aime bien le morceau, il est vachement positif, en plus avec une vague un peu moderne, voire même frôlant un peu le rap. Alors, les gars, ils pourront dire peut-être que ça ne va pas être sacrilège. Non. C'est pas la première fois. Non, c'est. Ouais. Mais c'est pas notre faute, c'est le morceau qui est comme ça. C'est le morceau qui le veut. Comme ça. Très bien. En tous les cas, on a envie d'en découvrir un peu plus. Il faut attendre un petit peu. Et pour ceux qui sont impatients, mais ils viennent au théâtre du Tampon. Et je pense qu'ils auront quelques bribes, en tout cas, de ce répertoire. Pas toutes les chansons, bien sûr, mais quelques-unes qui seront présentées. Un album, nous, ça ne se passe, c'est toujours un événement. Et je pense que les gens apprécieront. Surtout que. C'est vrai que certaines personnes ont l'air de dire parfois, notamment dans Tous les enfants, c'était un album très posé musicalement, que le groupe s'est un peu assagi. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est vrai, nous deux, finis de dire moi ça vraiment. Ouais, vos textes sont de moins rebelles, moins rentre-dedans et tout ça, comparé au premier album. C'est possible, mais premier album. En 89, c'est l'album de l'adolescence. On a 24 ans de moins quand même, tu vois. Là, on réfléchit un peu plus peut-être avant de gueuler, mais on gueule toujours autant, on gueule toujours pareil. Pas de la même manière. Pas de la même manière, mais je pense que sur cet album-là, il y en a une ou deux qui viennent titiller dans le sens du poil comme il faut. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plus de travail d'écriture, c'est moins rentre-dedans comme on dit, mais peut-être... plus pensé, alors forcément une musique peut-être plus assagie, mais le fond de cœur est toujours le même. Peut-être que c'est le public aussi qui s'est assagi, hein, parce que nous c'est juste le reflet du public. Une société. Aussi, nous, La façon dont le public s'interroge, et ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ce qui le hérisse et tout ça, ben, nous on essaye de mettre tout ça en musique aussi. Ouais. Donc ça nous va, c'est combien d'années là aujourd'hui? Ah ben on a commencé une chanson vers 82, 83, donc c'est pas loin d'avoir 30 ans. Mais l'album même, c'est 89. Le premier album, c'est 89. Ouais, c'est 24 ans. Donc, qu'est-ce qui fait que ça va 24 ans ou 25 ans, enfin, dans la musique depuis bien avant, qu'est-ce que ça fait que ça continue à tourner, qu'il y a toujours du monde devant les scènes et que. Je sais pas, j'en sais
Je ne pose pas les questions ce matin. Non, mais nous, en tout cas, on a toujours plaisir à jouer les chansons, on a toujours plaisir à en inventer d'autres. Et puis, on a plaisir à se retrouver, nous, déjà. Ouais, ça, c'est le plus important. Belle bande aussi. Parce que les groupes de musique qui tiennent aussi longtemps, il y en a de moins en moins. Il y en a plus trop, c'est surtout des artistes solitaires. Ouais, mais ça, on va pas dire que solitaire, c'est un petit peu... C'est vrai. Oui, oui, ils sont un peu, disons, en solo, on va dire. Ouais. solitaire, ça fait un petit peu le désert. Ouais. Mais en tout cas, il y a sans doute une recette, et c'est le côté François Maritime, peut-être le côté un peu sympathique entre les musiciens du groupe, en tous les cas. C'est ce qui fait aussi le charme du groupe Où ça nous ça va, et ce que le public ressent également sur scène, parce que s'il y a une bonne entente sur scène, ça se ressent forcément dans la salle, et c'est ce qui fait que les gens prennent beaucoup de plaisir également à aller voir le groupe, et notamment au théâtre Luc Donat du Tampon ce 20 juillet. On va laisser Bernard écouter un peu de musique, et puis retrouver Alfred Vienne, un accordéoniste populaire réunionnais qui a été compositeur de plein de chansons et qui va sortir un album. On va discuter avec lui juste après cette pause musicale dans Couleur Pays. A rejoint sur le plateau de Couleur Pays pour nous parler de son parcours. On va faire bref parce qu'il est très long, mais également de sa musique et de l'album qu'il prépare. Il s'appelle Alfred Vienne. Alors, Alfred, bonsoir. Bonsoir. Où aujourd'hui, c'est un musicien d'Où ça nous ça va, mais où l'a été il y a très longtemps également, musicien du papa des musiciens. Des Jorons. Des Jorons, le papa des Jorons. Avec, c'était l'orchestre André Philippe déjà. André Philippe, oui. C'est mon oncle. C'était où, d'accord, ou tonton. Bah oui, ça fait pas si la famille. D'accord. Donc c'est peut-être pas ça que je suis là. Le papa, il avait l'orchestre et tout. L'orchestre Vienne. L'orchestre Vienne, qui était dans le sud, connu également. Il a même joué dans l'orchestre Philippe. Très bien. Papa. Ouais. Donc, oui, donc c'est une filiation quand même. Ah ouais, au même titre que ça nous savait. Hein, c'est la chaîne ici. Ben, voilà. Est-ce qu'on a des gens comme ça, des enfants également qui sont dans la musique? Pas trop. Pas trop. Il n'a pas suivi à haut. Non, il écoute. Il écoute. Tout bien. Déjà bien, que je tout bien. Très bien. Alors, Alfred, là, on va préparer un album. On va présenter quelques chansons au cours du spectacle du 20 juillet. Ouais. C'est un album de Sega. Alors, quoi qu'on aura dedans, dans cet album-là? Ben, comme moi, je la fréquente beaucoup, bon, ben, c'était l'Orchestre Philippe. Bon, c'était rétro, quoi. Hein. Et moi, j'ai eu l'occasion de faire une dizaine d'années dans un duo rétro aussi. Oui. Donc c'est revenir à l'accordéon vraiment là,
parce que dans le rétro, mais c'est vraiment l'accordéon. Hein, et tous les styles, quoi, depuis tango, valse, passo doble, casa et compagnie. Et que moi, la reste longtemps dans l'orchestre Philippe, ben, c'était ces gars aussi. Beaucoup, donc, hein. c'est en voie de disparition. C'est tout le style de ces gars de l'époque. De l'époque. Hein. Maintenant, on voit des Sega, mais c'est autre chose. On voit plus l'inspiration. Aujourd'hui, quand on a Sega Love. Voilà. Il n'y a plus l'inspiration du vrai Sega, le créole, qui aime dans le Sega. Alors, c'est ça qui me motive à moi de refaire vivre ça. Comme on a l'occasion de jouer, à cause du film, par exemple, ce style-là, quoi. Il ne faut pas compliquer, de toute façon. Oui, faire simple. Il faut que tout le monde peut chanter ça dans la rue. Ce que disait Jugeron, une fois, il me dit, si tu composes un morceau, que les gens ne peuvent pas siffler dans la rue, c'est pas un morceau. Ça ne marche pas. Il faut que les gens, ils captent vraiment la mélodie. Non, mais ils captent, ils disent un petit octet de bœuf. Et puis la cadence et tout. Hein. Oui. La cadence et tout. Pas trop compliqué, pas trop mettre des accords trop haut dedans, parce que sinon ils planent. Hein. Parce que si c'est la bossa nova, après. Elles apportent ça dedans et tout. D'accord, donc c'est la musique populaire. Dans la simplicité. Oui, la musique populaire. Et la simplicité, c'est parfois compliqué pour les musiciens qui aiment bien faire beaucoup de notes. Ah ben oui, ben moi, là je vais tous les styles de musique. Moi aussi, on a tendance à aller dans le tapage. Hein. Alors quand on dit l'accordéon, ça fait un peu rétro et que la musique... Mais l'accordéon est revenu beaucoup à la mode dans la chanson française, ah, notamment. Ah oui. Même dans le jazz. Ah oui, ben l'accordéon est partout maintenant. Quand on va à les écoles d'accordéon, c'est bourré d'élèves dedans. Hein. En France, partout. Et notamment dans le projet où Sonne Sauvage chante les titres de Brassens à Nougaro, on a quelque part redécouvert l'importance de l'accordéon dans les chansons. On découvre des trucs que je faisais avant. Par exemple. Ah oui, il y a 30 ans. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis du spectacle et me disent, c'est qui l'accordéoniste? Parce qu'ils ont bien aimé, donc ils ne connaissaient pas encore cette étoile. Ben non, mais les gens de maintenant, ils n'ont pas vu. Moi, je veux ce style de musique-là, c'est sûr. Exact. Et peu de gens, ceux qui sont dans la musique le savent, mais peu de gens, le grand public, ne sait pas ou peu que c'est toi qui as composé à Cosfifine. Ben oui, ça est resté un peu dans l'ombre. Hein. Auparavant, on faisait un enregistrement. Il n'y avait pas l'assassin, premièrement. Ah oui, ça c'est un problème. Il n'y avait pas l'assassin. Alors les morceaux, c'était Orchestre Philippe, quoi. D'accord. On ne disait même pas que c'est Jugeron qui a composé ça. C'est Payette qui a fait ça, c'est Alfred qui a fait ça. D'accord. C'est Orchestre Philippe. Voilà. C'est grâce à Jugeron, quand il a fouillé un peu, donné. Ah, mettre un peu l'ordre dans les chansons. Il donnait à ce qui appartenait à César, c'était son mot, ça. Hein. Mais vas-y, à César, ça c'est à toi. À César. Ça c'est en nous deux. Ça c'est à toi tout seul, sans poisson. Hein. Et c'est là, c'est des souvenirs, c'est des trucs que l'on croit là, quoi. Hein. Et c'est surtout, on a remis un peu les choses dans l'ordre. Hein. Voilà. Alors, une dernière question sur Acosfifine, comme ça, ou la pensée de la chanson Acosfifine reprise par Alain Ramanisom. Pour moi, quand il compose un morceau que les gens y accrochent, mais en tant que quelqu'un l'a repris, pour moi, c'est un plaisir. C'est une victoire Sauf que je n'ai pas rencontré le monsieur. Je n'ai pas rencontré encore le monsieur. D'accord, c'est la seule chose. Ça fait plaisir quand quelqu'un il reprend un truc qu'on a fait. Hein. Bah oui, il reprend souvent des choses que Demouni n'aime pas. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent à moi quand même de reprendre des morceaux comme Acosfifine, tout ça. Hein. Les libres, il peut prendre. Hein. On ne va pas amener ça, on n'y amène pas ça en haut. Hein. Au contraire, il faut la faire vivre avec différentes interprétations, c'est une très bonne chose. Voilà. Sur le spectacle du tampon, on va interpréter combien de chansons? Trois ou quatre chansons, on avait vu ça avec le groupe. Hein. On ne va pas dévoiler tout, non, sinon pas ça fera chier à quiz. On répète trois ou quatre Sega qu'on va jouer, comme disait Bernard, on va pas fignoler totalement, mais que les gens comprennent au moins ce que je vais faire comme style de ces gars, à l'accordéon. Très bien, Alfred Bien. Dans tous les cas, dès que l'album sort, bien sûr, tu reviens ici. Hein, on te consacrera une émission entière pour parler de cet album et on le découvrira ensemble. Et peut-être même qu'on aura l'occasion de faire un ou deux sons, qu'on prévoit un petit peu avant. On aimerait bien faire un peu de live. Là, ça n'était pas trop prévu, trop calé, mais pourquoi pas.
En tous les cas, bon vent et puis bon spectacle. Et puis on souhaite que cet album soit un bel objet qui reste dans la mémoire des gens. Ça et a été tout le temps demandé hein, quand je faisais des trucs. Quand ça y sort l'album ? Troisième mage, danse rétro, dans le salon. Quand ça, oui, sort un album, elle prend. Voilà, là, elle est là. L'heure l'arrivée. Ah ouais, elle est là. Avec le groupe Oussane Sava qui accompagne Alfred Vienne dans ce projet, qui l'accompagne, c'est au sens vraiment. D'homme du terrain, puisque tu joues avec eux, mais là, c'est eux qui vont. Et qui c'est vont, un plaisir d'être accompagné par Oussane Sava. Et de partager la musique ensemble, on a bien compris. Bien sûr, bien sûr. Merci Alfred, je voulais remercier. Voilà, merci aussi tout le monde. Merci. Je voulais remercier également tous les téléspectateurs, auditeurs, les anonymes, qui souvent nous témoignent leur sympathie et surtout nous soutiennent dans la démarche de cette émission qui vous permet de découvrir des artistes locaux. Ça nous fait très plaisir au nom de. Toute l'équipe de Couleur Pays, je vous en remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Salut.